Benar. Allez, viens. C'est vrai que tu dois faire quoi, ça? Bon. Ah ouais, c'est vrai. Parce que tous les rappeurs par défaut pensent qu'ils sont les meilleurs du monde dans tout. Tu vois ce que je veux dire, hein. C'était toi qui es au Canada. Ouais. Ça veut dire que sur le rap français, toi t'as un œil extérieur, puisque toi t'es pas ici. Ouais. C'est-à-dire que toi tu peux voir le rap d'une manière extérieure. Ouais. Pour toi, c'est qui les rappeurs qui ont de l'argent dans le rap français? Les vrais mecs ont de l'argent dans le rap français. Je vais te donner un exemple concret. Aux États-Unis, j'ai vu des mecs que tu vois, que tu penses qu'ils sont millionnaires, ils n'ont pas un sou. Okay. Tout ça, c'est de l'extérieur. Et aux États-Unis, où est-ce qu'il y a des frères qui font de l'oseille grave avec ce rap de merde. Et même à travers cette oseille, des salles pleines et tout, il y a encore des mythos. Donc, sur la France, je ne sais pas. Je ne suis pas assez renseigné pour vraiment te parler. Bon, ce mec-là, il a de la zeille. Ce mec-là, il pèse lourd. Tu vois ce que je veux dire? C'est à vous de me dire, mais dans le sens que je crois que B2O, Rof, ou certains d'entre eux ont certains styles de vie. Ouais, mais ça, c'est les figures du rap. C'est-à-dire qu'en France, quand tu dis Rof et Booba, on sait qu'ils ont de l'argent. Mais ces deux-là, on fait comme s'ils n'existent pas. Maintenant, on parle des autres. Pour toi, les autres, les autres qui ont buzzé. Niveau rue, Alibi, est un mec que ça parle. Tu vois ce que je veux dire, il a son respect au niveau rue. Les gens disent que c'est du lot. Et ce n'est définitivement pas ses ventes de disques. Et grâce à Skyrock qu'il fait son zay. Okay. Donc tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais dans les grandes stars comme La Fouine, j'ai remarqué que le vie, ils sont bien, quoi, tu vois. Okay. Mais c'est à voir. Hein. Nesbill, tu l'as vu. Pour toi, Nesbill, est-ce que c'est un mec qui a de l'oseille? Je peux pas te dire. Il y avait une chaîne en argent. Ouais. C'était très beau, mais ce ne sont pas des objets de valeur en Amérique. Il faut que tu aies de l'or du 14 carats, le même truc qui aurait coûté 50 000. Pendant que 500 grammes purs de Marocain coûtent peut-être 1000 euros, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas par son bijou que je peux dire s'il a de la zec. Mais je voyais qu'il avait des Air Force. Son style était quand même américain, tu vois ce que je veux dire? Je voyais que il se trimballe confortablement, tu vois ce que je veux dire, mais je peux pas te dire s'il a de la zeille. Je l'ai pas vu dans une Bentley Coupe ou une Lamborghini ou une Gallardo. Dans un de tes morceaux de ton album, de ta mixtape, il y a un moment où tu dis, c'est une phrase qui m'a choqué, t'as dit Rof me l'a confirmé. Tu dis que Rof t'a confirmé, mais qu'est-ce qui t'a confirmé? Rof m'a confirmé. Une affaire de klepto qui se lève tôt. Le doigt sur la gâchette ou sur un clito. Roule un béto au dépôt. Sans en perdre, prolonge les jours de repos. Et que certains de ces négros, sans nommer de nom, okay, il m'a vraiment mis au parfum sur les vrais trucs. Alors j'ai dit que Rof m'a confirmé l'info que le mec était une balle trinque, quoi, au okay. niveau rue. Ok. Car Rof m'a quand même fait voir, tu vois. Certains jouets de professionnels, tu vois ce que je veux dire, pour opérer des outils de travail, tu vois ce que je veux dire, hein? Genre de grille peint à 17 tranches comme les policiers de la France. Hein? Alors j'ai pas le choix de respecter Ousni, et il y avait une CLS, une Brabus, j'ai kiffé, moi j'ai dit putain, il fait les choses arriver avec le prix du mazout. Son truc était au gaz, bon, ça zaye au moins 230 euros par plein. Alino, le wine-up sur les champs, t'entends? Demain, je prends le petit déjeuner avec Carla vers 10h30. À l'Elysée, ça se passe à fond. Alino, le wine-up sur les champs, ça se passe à une demi-heure du concert.
on cherche des pompes. Noir sur noir, comme des vendeurs de poudre. Qu'est-ce que je veux dire? Du négro de merde, hein? On a eu des champs, là on roule. On va voir, il y a quoi acheter. Allez. On roule. No game, toujours. Ouais, no game. Et là, on est en plein dedans. Ça roule. Ah ouais. Non, mais le concert c'est là, là. C'est là, là, c'est ouais, ça. Ouais, éphémère. Ouais. Ouais. Mais on est au Gibus là demain. Passy, oui. Qu'est-ce que tu penses des anciens comme Passy? Les casques bleus calent, c'est rien, c'est chaud sur la surface, c'est rien. Moi j'aime l'officiano, le rap. On ose pour être ce qu'on est, ose, pour être qui on est, oui, on ose pour notre survie. Truc. Il y avait quelques mecs en France que j'ai kiffé lorsque j'étais à Queensbridge. On recevait toujours les magazines de la France et tout. Il y avait des groupes qui l'ont déchiré, hein, dans le temps, dans l'époque du Wu-Tang et du truc. Il y a toujours eu des mecs lourds. Mais ça, ça mord sa part car ici, la communauté n'est pas. Le style de vie n'est pas apparent comme le rap. Si le style de vie vivrait autant que le rap, mais les gens ne se l'accaparent pas car ils haïssent trop. Le style de vie, il faut zayer, il faut. Je m'en fous que tu vends de la poudre à canon, tu vois ce que je veux dire? L'oseille est de garder sa tête haute. Avec rien, on fait tout, on commence de rien, on devient riche. Le cœur, l'endurance, comme l'armée américaine, ils sont constants. Tu comprends? Ils sont constants. Ils jouent au basketball, ils te donnent dessus, ils t'écrasent, tu vois ce que je veux dire? Ils ont une attitude à te tuer, en plus de gagnant, tu vois ce que je veux dire? Il faut que les Français suivent plus le roi, dans un sens que c'est un cadeau que je leur donne. Je donne la balance que ça prend entre la musique et le divertissement pour pouvoir faire des films, se retrouver sur les grandes chaînes de la France, et en même temps, je garde mon son mafia, ouais. Relation mafia dans un niveau fou, mais en même temps je suis sur LCI. Tu vois ce que je veux dire? Donc le professionnalisme, de la qualité du son, je mixe mes trucs sur une SSL, tout ça apporte un respect et une confiance en soi à la langue française. Moi ce que j'apporte c'est de la façon de transiger ma façon de faire américaine que j'applique à mes frères et sœurs, tu vois ce que je veux dire? Moi j'aime bien Kennedy. Kennedy, ouais, elle est bon. Je tire les ficelles, les soldats plus grave pour moi. J'aime compter mes billets, la drogue je touche pas. J'aimais bien Tandem. Tandem? Ouais, j'aimais bien. McTayer et McGregor. Au moins deux allumettes, au moins deux allumettes. C'est la fin des haricots, y'a plus de taupé. 93 à corps. Levez les bras si vous êtes fort. Ma voie le nord, que des gros sous. Pourtant nos mains sont dans la boue. Mais ça se ressemble, hein. C'est toujours comme quand on dirait que c'est les mêmes gars qui chantent tout. Ils ont tous la même voix un peu. Originalité d'or, hein. Ça dort au gaz. Ouais.
Ça se passe ou quoi? C'est Exim ce soir, hein, les vrais fanatiques sont dans la maison. Des remerciements au point éphémère, il y a toujours de l'amour ici, t'entends? Vous savez ce qui se passe, hein? La crème de la crème dans ce rap de merde, hein? L'album Calico Music bientôt, ça va flinguer ce truc, t'entends? Ça se passe à fond, Alibi, Montana, Alino, dans la maison ce soir. Gros lourd en rappeur, son piéton, passé le CL600, son garé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Appelez ton camarade Hugo Chavez et porter plus de cocaïne, les de la rue sont tous, les ont tous des bouts, y a pas de problème. Les mecs de la rive sur le four, il a qu'un non-game.